Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus, l'émission Nabiso Oyasukam. Alors, Bande Konanga, tozo souhaité bino. Oh, Balouaka, bonne année 2023. Et sa émission à Soukambou, la Bandiko. Yango, Oyo Kart, Oto Pessina, abonné na biso. Congo News 24 souhaite à nos abonnés meilleurs vœux et bonne année 2023. Santé, réussite, bonheur, bonne année, abonné na biso. Succès na 2023. Vina mieux qu'on n'a pas comme les autres et qu'on change na denga moukete. Nzambe na biso ana. Akopate na bino bande konangai. Succès, santé, réussite, paix, bonheur, sérénité, merveille à nos chers abonnés. À la une, chers téléspectateurs, toko ba l'émission na biso bandeko et yindi entre Fayulu, IDPS, Oyoka sur l'élection 2023 et puis Bokoyoka Fachi Ambushimai. Deuxième point, Bande Konanga, pression toujours sur Rwanda. Accord de Rwanda, Yamundeza Kleboa fait de l'aventure rwandaise, Boyoka, Union européenne. Bande ko, accord yoko, ah non, Mukonza Mboka, a touché ma point. Donc, Bazan, Bazan bloqué, président rwandais, le roi Salé a été, ba référence, Nyoska, accord de Rwanda. Union européenne a auto lancé message les lots. Alors, ton développement pour précieux est trop si présent rwandais. Troisième point, chers téléspectateurs. Voilà pourquoi président rwandais a la pression. Reprise des combats encore ce samedi 31 décembre entre FARDC et RDF M23 à Kamatinga. FARDC a vite au l'exemple. Bozo va ventirer, bozo kosa. Bitumba et toi qui souleu na tongo, baloua qui bardou sola kaka, kota ma sisi, fardé sa zanabango. Ezaya ko yinda, et si e yindi bande konangai. Bande ko émission na bise bandi, en tout cas, ezaya soukamboula, ya omoni to sa bino carte wana, ya Congo News 24, po, ya ba spécial, ya ba abonné, oyo ba zanga kati. Et nous sommes abonnés à toujours une émission et la paix de Dieu est demeurée dans ma famille. Dans nous. Alors, donc on va l'émission avec le chef de l'État. A qui vous passez bonne année dans le Grand Kassai. Et c'est ça. Donc, dans la région, à qui vous passez Kuna et puis de Mbujimai, puis à Okende, dans la ville Moussous. Et tant que les gens ont bien, ma solo Kitoko, Mokonza Mboka, même place à Zaleza, qui insiste sur 45 territoires. Bande ko travail ou ane ko sunga pina ki toko. Monde a salé bon ba surprise. So ke na Erde Congo mon émission, et a nommé ba te belé na 145 territoires, na ordonnance na yon. Na salé bon ba surprise parce que kuna ne baza ma sole pa misale zo salam. Et puis a ko profite pe atala, neni 145 territoires ko banda, ba kote ba Mbujimayi. Alors, et ça vraiment qui toko et pas y mokonzale à Ali. Alors, bandeko, plus bref, tout en gopé mokonzale à Mbujimayi, bon, auto yo kato avance. Nase a fouta fachouan tout zotanga, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est annoncé ce samedi 31 décembre à Kabeya Kamonga. Au lendemain de son arrivée à Mbujimayi, chevalier du Kasaï oriental. Selon la presse présidentielle, le président de la République fait le déplacement de Kabeya Mwanga pour se rendre compte de l'état d'avancement de plusieurs travaux d'intérêt communautaire. Il s'agit notamment des points d'adduction d'eau et des raccordements au courant électrique. Félix Tshisekedi va donc passer le réveillon du Nouvel An dans cette partie du pays. Et c'est ça. Et un village natal là. Né dans mon élection, vous savez encore en Mbujimayi. N'assure que c'est la deuxième fois depuis qu'il est au pouvoir. Alors, les actes sont
na ba village natal na yo pour que passer bonne année. Alors, ezese ngome botanga wana azo profiter pas ta la ba travaux au ezosala. Alors, l'air est grave. Alors, toyoka extrait oyo bongo to avancer l'émission na biso. Sachez tout d'abord que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est arrivé hier en Mbujimayi dans la soirée, entame une visite d'itinérance ce samedi 31 décembre qui devrait l'amener jusqu'à Kabeya Kamwanga, à une centaine de kilomètres du centre de Mbujimayi dans les Kasaï orientales. Selon la presse présidentielle, le président de la République veut se rendre compte de l'état d'avancement de plusieurs travaux d'intérêt communautaire, notamment des ponts ou des points d'adduction d'eau et d'électricité. Félix Tshisekedi va donc passer les réveillons dans cette partie du pays. Alors, bande ko le chef de l'État en Mbujimayi, alobi akotala ba travaux ya mai na ya courant, makabwe pele ba projet ya tikaki soki avance mes andini. Bande ko ba konzi bazana décision. Parce que dossier courant ne na mai, nde makambu na mboka na biso. Alors ba konzi ba telemeli yango, bazana besoin ke yango pena et salama na ndenga kitoko. Yango bande konangai, le président de la République, à Mbujimayi, pas seulement à qui qu'on fête bonne année, mais à son travail. À son talaba travaux, ou à son salam. Boyebi, à son projet à 145 territoires, à son bon samboka, ou à EDC, et à ma kamwebele, nzamba sunga, ma projet à réussite totale, 2023, ma Congolais, ma mona ke partout, ma ezali, kourezali, parce que souffrance, l'équipe. Bandeko, et ça, pendant mon tuya, na 145 territoires. Alors, wana, et ça, la qui chef de l'État. Si qu'on tourne le Canada dossier élection 2023, et il y a entre Marte Fayulu na Seni, et puis na Kabuya. Marte Fayulu a déjà qui d'abord message, mais avant tout, il y a été au na Kabuya. Na côté à Kabuya, bazo préparé, bazo y sabat peuple, et te basa enroulé. C'est ça de voir là-bas. Mais de l'autre côté, yaba Marte Fayulu, bawa lobi non. Oezo salamana semi, bazo préparé food. Comme d'habitude. Bandeko, tozan élection. Na nanwa le kamo moutuya parce que n'élection. Oyo kakeza kanon mboutu moutu. Oye a lobi yo moni mabe. Et opinion aïe, yo pepe sa yo message. Alors, bango na kote sid, ba moni boy. Ba lobi ke préparation a fraude se prepare. Allez. Kabuya pe a boa ki bal. Parce que kote y depes sensibilisation za ko sakanati. C'est ça que Fayulu va faire. Mais te zoe na point Fayulu. Alors, il dépense pendant kakama kele le oba ba ke yindi a nobeli mate failu a nobeli bato nyoso bazolo mabe pona mokonja mboka et tout ça. Oyebi ya zawa naza na il dépense il faut défendre mokonja mboka na kama batibili. Ya sa mouta il dépense. Pour so dépendre a yon défendre mokonji. Mabe wapi. Eza boulo na bango. Oh, bandiko. Ton luka ape, tout ce qui a battu les bases d'opinion na bango, bas c'est mais n'engézal, tout ça la carte démocratie. Alors voilà, alors Kabuya pena lobby, bas réponse union sonner bas on va quitter union sacré, à lobby na évolue car la matinée politique n'engal lobak, mais na kaoya wa, bas yessir élection 2023, bas car le lecteur pour la sensibilisation, parce que côté ici, bah, loin que voilà, bah, sensibiliser, peine la population. Mais c'est leur rôle, bah, politicien. Bien de bon sensibiliser peuple. Peuple, on a eu un avantage enrôlement. À côté d'un enrôlement. Et ça, t'es que, comment, bon, bon, non. Et ça, n'est pas son moko, n'a qu'à t'y avoir parti politique, de sensibiliser peuple. Alors, il dépend sensibilisation au sacrana. Fayulu pétan, a yo ki boy. Fayulu parle mon gars pena kuti karate boyo ka message a Fayulu. Fayulu pena lobby na mi a lobby tala to bloquer batu to s'enrôler massivement pour bango baza ko s'enrôler na bazon na bango bazon linga ka fraude boyi ka Fayulu. Alors bandeko
Totanga, côté IDPS, le côté Martin Foyer pour Montepelli, bon auto avance. Tobanana IDPS a prêté na Foyer. L'IDPS sensibilise ses militants à s'enrôler massivement. Le porte-parole de la Convention des démocrates, un des organes de l'IDPS, Paul Katumba, a invité vendredi 30 décembre les militants de ses partis à s'enrôler massivement. Il a lancé cette invitation au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Nous sensibilisons parce que les élections auront lieu dans une année, a déclaré Paul Katumba. Cet appel du parti politique, une semaine après la CENI, a lancé l'opération d'enrôlement des électeurs dans 10 provinces, partie ouest du pays. Dans la partie ouest du pays, Saliba enrôlement nyoso après Boké na partie est. Sidoubangi, Norubangi, Baibakiti, Kinshasa, Congo central et tous. Maintenant, ma parti politique va sensibiliser Batunaba. Mais le problème est que se pose à Batubaza Kobunda Nanandenga Mokiti. Aucun de bouye, aucun de bouye. Donc, on se met à la camoufla au Sahanati. Parce que, malheureusement, il faut que l'Obaki, Kabouya Zako obligé de répondre. Kabouya répond à qui? À l'Obaki, il faut que l'Obaki fraude des athées. Batubaza s'enroule. Binande vous allez faire vous enrôler. Côté vous se préparer pour ma biwa. Alors, à sa contre ma critique, nous sommes matin faire la serre à l'Obaki, Wana Kabouy. Maintenant, tokende na Marte Foyou. Marte Foyou appelle les jeunes à s'enrôler massivement pour déjouer le complot de la CENI. Marte Foyou, le CENI, on a l'inga qui a monté. Mais ça a choisi. Et comme étant Oyo, population baya ko s'enroule. Conseil de so pesaka ka côté Martin Foyer le kozana agissement mo bwete on dit aux banga kozana parti na yo botelema yem samba s'enroule bo ken élection tête à tête na fachi o ya gagné a gagné mais bino déjà frousse bandi kaka na enrôlement ya pamba je ne comprends pas yo ka fayo. Le président du parti a ainsi d'engagement pour la citoyenneté et cite, Martin Fayulu a appelé ce vendredi 30 décembre les jeunes à s'enrôler massivement. Il a lancé cet appel dans sa communication à la nation à Kinshasa. Détenir une carte d'électeur, c'est détenir le pouvoir de changer les choses. Pour Yemogadja et Kartinaï, coordonnateur de la plateforme Lamuka a indiqué que ces cartes permettront aux jeunes de prendre part aux élections de 2023. Allez, s'enrôler. Donc, allez, bon, s'enrôler. Le complot de la CENI. À cette occasion, également, il a dit ceci. Que tout le monde est témoin des désordres généralistes, de l'impérialisation et du chaos organisé qui entoure les opérations d'enrôlement des électeurs lancées ce samedi 24 décembre. A noter le leader de l'ICIT, Martin Fayou, est d'avis que les jeunes détenteurs des cartes d'électeurs vont déjouer le complot de la CENI. Sinon, il y a qu'ils ont vraiment complot. Gangwazo Sengana va jeune et va s'enrôler massivement. Pour pas déjouer le complot aux unions, selon Martin Fayou. Parce que ceux qui vont s'enrôler massivement, vont déjouer le complot et puis ma kamokozala kitoko. Et bien sûr, il faut forcer Batoune à s'enrôler massivement pour attirer Kobanga. Martin Fayou, osana peuple na yo, mobiliser Bango, bisoto encourager yo, kende, tia libaya na yo, bon lité na fachi. C'est ça la démocratie. Mais ceux qui ont besoin de l'ingé, ils ont besoin de pêche avantage. Bien que vous ne soyez pas en roulement. L'enrôlement, c'est rien. J'ai mon côté Zawana. Yon de Martin Fayou, Téléma, Tchalibaya, Masole Tambo. Alors, tout le monde, quand vous êtes là, Martin Fayou,
ndenga zo ganga ndenga zo tinda batu na ye bon auto avancer les missions d'abisso. Tout le monde est témoin du désordre généralisé, de l'impréparation et du chaos organisé qui entoure les opérations d'enrôlement lancées depuis le samedi 24 décembre dernier. Il est clair que la CENI cherche à confectionner un fichier électoral qui lui permettra d'avoir un très grand nombre d'électeurs, là où elle peut justifier la fraude, et moins d'électeurs, là où elle aura du mal à réaliser facilement cette fraude. Nous ne transigerons pas sur la qualité, l'intégrité et la crédibilité des élections de 2023. Jeunes Congolais, ne reculez pas. Saisissez cette occasion pour vous enrôler massivement, car détenir une carte d'électeur, c'est détenir le pouvoir de changer les choses. Enrôlez-vous massivement et ainsi déjouez les complots de la CENI. Alors, Bandeko, Tolandi Pisonyonso, Marte Fayou, à l'obito déjouer complot Yassini. Selon Martin Fayulu, il y a un complot au niveau de la CENI au Salama dans la carte d'électeur. On va éviter. Mais on va dire que les gens ne vont s'enrôler normalement. On va éviter les gens qui ont un complot. On va éviter. Mais notre conseil ici, si on est qu'au début, il y a une procédure d'élection. Mais pourquoi s'agiter comme ça? Pourquoi qu'on banga qu'il y a un complot et se prépare? Message ça qui toque que peuple nous soit s'enrôler, benga peuple si va s'enrôler, que la situation pour yo saka kubanga non. Ozo la sajet flous mongoui devant l'élection, mais c'est vrai. Yem sa peuple si va s'enrôler, et c'est tout. Parce que denema tolanda quand même membre na ye, a solo ba ke voilà, Seigneur a sali propagande te pour l'élection et tout ça. Parti politique n'a parti politique, va ça va pas s'enrôler. Parce que tant on va s'enrôler, belé, tant on peut bon, mais ça va résultat. Maintenant, je banga, à moi qui côté pas, c'est bandit au côté IDPS. Mobilisation, c'est à quoi ça caractère. Ba côté wana nyonso donzo kapena mutu nyonso zo zelaka ka election. Il fallait y passer la bombe. Parce que l'on est au boya na souka. Toulinye élection et élection moko crédible. Ba la se ba preuve que tani ke biminde ke bipo ma kele le wane zalate o a triché. Mais so do ta dja ba agitation ya esit ba sa kupanga déjà dès le début. Mais pourquoi avez-vous peur? Zona makambo oye ko koma na point nango pe boku mona victoire ko salama ya onto zoe sabandiko to tika kubanga kubanga wana bino bato ya isit bocha libaya bole kanele kisho kabuya na Marte Fayulu ba message passa toujours comme ça parce que mokoda mboka reponda kana iti batatu yo sa Fayulu mokoda mboka reponda kate donc c'est kabuya à correspondre na bataille nyo sur les yeux n'est pas mon conjambo. Yam baso mona ke kabuya azolo ba pona batwa na nyo. Oyo baso tele mela baso lo ba complot et tout ça lo ke il n'y a rien. Boke ne ko s'enrouler totika babilo ko na ya gauche droite. La démocratie en wana basi ba yeli ba tire bi so mona mesa. Il y a liberté d'expression au Tile le Congolais, liberté d'expression qui te dévie à cannabis. Parce que tu dévie à tes bébés. Ce comme un air à au Kangayo, c'est pas ce qui liberté d'expression, yo y a un homme bien comme un fing. Liberté d'expression, le but est que tu fing. Et le but est que tu manques de conduit. Mais liberté d'expression, on ne va rien que la vérité. Et puis, bah, tu vas vérifier ma monia. Biso wana Congo News 24 to jwa décision na biso rien que la vérité ce qui en faut les affaires info to ko pesa te et c'est ça dans la vie to bongisa mboka to lo makambo eza vérité
Pour le peuple, on a besoin de vraies informations. Et surtout la situation à l'Est, ils ont 5 peuples à comprendre ce qui se passe. Maneko, l'air est grave. Alors, maintenant, situation de Zalangosikoyo, et ça qui élection, sont tous au moins qu'ils ont déjà. Donc 2023, pendant mon découpé, tous les cas de ma asa expert, ma marte foi basin kobo ya yé. Mais les lois, y'en a la zo bon célèbre ce signe. Ma te foi la ke kotoa carte, ne me basin ko linga yéti. Mais pas si dit, bah y'a ou mon ake, ah, te asa vrai moutou, aye moussan. Ma te foi la sen na nino, oh, a tu carte na. C'est ça! Bandeko, élection sa matata. Donc, tout le monde a pu nous avoir réaction à vos agents, mais l'autre c'est ça. Tu sais, quand on a l'opinion, il y a des commandes, il y a des choses contre, il y a des choses. C'est ça la démocratie. Donc, match pendant 2023, il y a des choses. Encore tous les côtés, on a un lobby. À partir de la lobby, il y a des choses déjà. Bisopé tous les autres, tous les autres. Ou à la côté gauche, c'était bon côté. Ou à la droite, ou ça vient de bon côté. Et ça y a yinda, et si yindi. Alors, bande konanga, tu comme tika premier point, tu comme kende na deuxième point. Bande ko, tu comme na deuxième point, ou yon ba bonne na bisou ba zobe nga mo clé. Accord de Luanda. Bande ko, message Union Européenne, ba yeli yango et pas présent Rwandi. Ba tche pression l'histoire au sakante lelo le 31 ba yebise ki fasa le la nini akora Rwanda oyo kaka la clé. Donc en tout cas ba konta mboka ba joa kitoko ba ndeko akora Rwanda ba lobie ba kite tout le territoire okipe ba kende place ba yeso ba zala et puis ba kozala sive na FARDC. Ezaya kuinda chose oyu pa présent Rwanda zo sale mato y passe azo kokati Union Européenne bazo rappeler kaka ba ebisi fo akora Rwanda salama ba rappeler le 31 parce que kombe zo salama tozo era 3e point komba bande ko se samedi matin bande o makambo za minene alo ba ebisi présent Rwanda ifandi makoro na Rwanda ayebisa batu na yi arme na yi potobe nga arme na M23 za arme ya prezant Rwanda ajo arme na yi bakite ba territoire nyonso message eyokani l'Union Européenne pression sur le prezant Rwanda asale la ndinga kora Rwanda zali babenga komo nini clé nango, clé ne makamu, eza fungula. Bandeko, quand cet accord a été signé, webye sengo mungu sarakie, tala bandeko, naba forza EAC unionso, bazana mutamu, ya akora Rwanda. E pi mutu akora Rwanda zana kata tere agoma, a oka akora Rwanda zana biru na iyo wano. Bango inye Europe, mba pese pe mbongo na bango, na makamu bako huyu. Bazana besoin ki akora Rwanda salama, ba kite ba territoire nyoso Kongole, epi integrite territorial ya RDC zala respite. Tan bazo pesa mesaj yon apresa Rwanda, na asire sa le pasi. Pourquoi na siye ki akoro? Na mwondo kangami. Asiye ki akoro Rwanda. Ministre affaires étrangères ne yaza ki presa Chimanzaka. Délégué naï. C'est ça où il y a le problème. À quoi on a pas changé à moi. Et puis, bah, rappeler, attendre un rapport à l'ONU. Bah, d'accord, à ce que je me connais, je me connais. Bah, attendre un rapport à l'ONU et outil qu'on bima. À ce que je me connais, 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 je me à tali gauche, à tali droite, à lui, hey, là ça n'a problème. Hey, où ça n'a problème? Bah, il me semble que mon tour, je vous donne, on a eu bien dit.
bloqué présent rwandais, mais les signé accord de Luanda. Tout un message que il y a une européenne, bon, toi avance. Accord de Luanda, fin de l'aventure rwandaise, boyoka union européenne. Agression dans l'Est, l'Union européenne retient son soutien à l'intégrité territoriale de la RDC et appelle à la mise en œuvre des résolutions de Luanda. Nous avons un message. Ministre des Affaires étrangères rwandais, côté RDC Fadji, Urkine, Oaza médiateur, présence à Lorenzo. Bande de gens qui sont à Corona Luanda. Alors, l'Union européenne exhorte vivement le Rwanda de cesser de soutenir le M23. Dans un communiqué de presse rendu public dans l'avant-midi de ce samedi 31 décembre, l'Union européenne est revenue sur la récente publication du rapport du groupe d'experts des Nations Unies relatif à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, l'Union européenne a salué les différentes initiatives prises par le contingent africain de s'attaquer aux profondes causes des conflits armés dans la partie est du territoire congolais. Ainsi, l'Union européenne, bande de temps, va insister le Cambo Oyo. Mais ça n'a pas problème. Oyo Kassomo, l'Union européenne a réaffirmé son plein soutien aux différents processus de paix, dont ceux de Luanda en Angola et Nairobi au Kenya, et a appelé toutes les parties prenantes de ce processus de prendre rapidement en œuvre les décisions prises dans ce cadre. C'est-à-dire, encore en Rwanda, nous avons le président rwandais. Président Rwanda a bougé. A commis le nom de la menace en Dénina. A ma copie est couffée. A ma copie est couffée. Tant que je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis mon plan est président Rwanda, comme il a 4 sanga. Fatih Denkolo va stratégie. Avance. L'Union européenne salue l'engagement politique des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est et de l'Angola, et en particulier le leadership de l'ancien président Uhuru Kenyatta, du président William Ruto du Kenya, du président João Lourenço de l'Angola et du président Evariste Ndayishimiye du Burundi. Président de l'EAC, l'Union européenne se joint à eux pour appeler tous les acteurs à intensifier leurs efforts en vue d'un règlement pacifique des conflits, à respecter les engagements déjà pris, peut-on lire. Dans la même lancée, l'Union européenne a retiré son soutien à l'intégrité territoriale de la RDC de tous les pays de la région et par la même occasion, fermement condamné tout soutien aux groupes armés locaux et étrangers. Nous sommes là. Président Rwanda a un problème. L'Union européenne a, dans un communiqué de presse publié ce samedi 30 décembre, exhorté le Rwanda de cesser de soutenir le M23 et d'utiliser tous les moyens pour faire pression sur le M23 afin qu'il se conforme aux décisions de la communauté d'Afrique de l'État de la RDC, qu'aux résolutions de Luanda. Akora Luanda ne yangwe ekangi présent Rwanda. Suivant la même logique, l'Union européenne a également exhorté la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda ainsi que l'Ouganda et également aux conclusions des rapports des experts de l'ONU. AMC Bango Keba respecte Akora Luanda et puis na rapport Rwanda va répondre na yangwe. Bande de gens sont va répondre rapport Rwanda au Ebimisika ya ONU que bango va kené ko sala ba action militaire na ETC bande ko présent Rwanda maye les sili ba ko nyo so ya kwe na kati yango mitambu na yeye mo kwa ko ba kongole tara ba Union européenne ndé to ba ke bazara ben terre na bango to yebi na biso mais le kambu oyo ba kangi yo bo va prévaloir ba ko te loti. C'est pour ce que le président Rwanda a un problème sérieux. Il y a un problème à développer, donc il y a un problème à développer. Alors, il y a un développer. Bandeko, l'heure est grave. Il y a donc, à Corona Rwanda, il y a un
président Rwanda qui est de gauche à Kora Luande Kangi. Et puis ce qui est grave, Bazo rappelé Bango et te battant un rapport à l'ONU et puis va répondre. Voilà un autre dossier et il est le président Rwanda. Rapport au Tobi Masik. Qui va qu'il y a un EDC, armée rwandaise Katsaki, va mettre la munition. Na ba arme makasi ba arme conventionnelle o bazo bombarder batu bazo bomba batu a répondre dans nouveau rapport c'est sa place o yo président Rwanda mayele sili bande ko sozo tala dossier o zo mona clairement que président Rwanda a un problème sili azo lukande nini akoko bima na makambo yu mais exactement mobulu. Tout est dévoilé. Azana likamba kolobati, maye le sili. E yindeli. Bandeko, tala. Ezana makamo susuko, omono kimi kimi yango, me omono ke mwate yeli okaka. Ndega za wana zoe beloka kusalati. Preza wande, maye le sili. Inye ropen bara pele yi. Akora Rwanda. Bara pele yi batanga rapport o ibimisiko. E pi bazo ipse ke ba bate l'intégrité territoriale la EDC ba respecte yi. Donc solo talango makambo nyonso ensemble so sanction mon apena ke oui. Président Rwanda a un problème. Yamba abonné ba bengi akora Rwanda komo nango clé. Clé wana oka clé pene yangume kangi bango pao. Bale lo kwa usalati. Makamu nyosu wa urapeleka kakora Rwanda. Voilà la citation otu zanako. Bandeko. Rwanda eza fea ba aventure na bamu. Bale ya bazo kota 2023. Bazana problem siri. Paske bakangami na kati ya bapiej na bango muko. Oyo baluka ki. Yangwana. Bape européen, bape occidentaux, bako mo rappele bango, kaka oyo ba signaki. L'heure est grave. Alors, bande konanga, tozala. Toujours to partager mes missions oyo, parce que Congolais nyo soye ba vérité ma kango nezo le canarès. Ba tangi ba comprendre, pe ba passe message. Alors, c'est à ce point, to komo tika. Deuxième point, tu commences na troisième point. Bandeko, tu commences na point oyo. Combat et zongili ce samedi 31 décembre. Bandeko akamatenga. Na masisi. Et pas wapi. FARDC déjà sa monaki bango. Parce que soko eza wole ka likolo makamu. Tu bazo mona ba jena bango. Alors, bas, kinaki na renfort na bango. Renfort wana, bandeko, ezamawa. Bako ko se renforce a Masisi. E pa bitumba ezongi. Ma avant meto ya na komba, société civile ya Nord Kivu, bakutana ki na 34e région militaire commandant Marcel Mbango. Bakoutana ki na ye pourquoi? Commandant à 34e région militaire. Baza ki na besoin de clarification. Ba question pour ba Congolais bozotuna. Pourquoi faire de sa takakati? Pourquoi faire de sa course offensive te kakazo défendre? Pourquoi rôle ya EAC zanini na ba zone wana okipe? Makambo e bele bande ko tato yebisa kabino ete makambo e bele ne mission de bokuyoka. Alo ba sansa ki ba société nyonso civile ya Nord ya Rutshuru Nord Kivu Goma et tout ça bakutana ki na Marcel oaza 34e région militaire le commandant Marcel Mbango asolola ki na bango a expliquer bango role moko na moko. Par exemple, pourquoi tu as attaqué?
situation wana eza due ya makambo oyo ezoleka ya ke parce que makambo nyonso ezosalama communauté internationale bazolanda est-ce que tozotosa oyo ekomamaki parce que bango bazotosa te ndeko mwa lobi bango bazotosa te pourquoi biso totosa mais parce que biso tokoma na poi makambo twana makambo kitoko na maboko bakora lwanda nyonso eza na faveur ya RDC ozomona bakite ba territoire sans condition et maintenant batuni question ba territoire wana okipe bango nde batiki kibumba na maboko EAC lakisi nini ndeko akora lwanda eza clair ete batika ba territoire okipe na maboko ya nani ya biso moko oyo bango bazoloba wana baforce EAC balingi koloba makambo wana te en public balobaka wana parce que baza na besoin bato ya 1-23 c'est-à-dire EAC bazolinga kokitisa pena 1-23 na site bazozwa bangone bato bana badroit na bango alors que ce hotel ce sont des terroristes ozomona balobiki topesi wana maboko ya EAC pa na maboko ya FARDC soto okomprendre toyoki ba réaction ebele ke pourquoi bapesa na maboko na bango mais EAC se FARDC aza wana makambo nyonso esalama baza wana force oyo kaka ya EAC wana nyonso eza mélange ya tuu ya baarmé FARDC pa aza na kati yango tozo yebisa bato ete totika ko ba ide ya pwepwe non FARDC aza wana so otali na position na bango FARDC ye na armé kenyan bapartout baza ensemble esika moko bameya korepondre ao na société civile société civile basepeli boko yoka tokotiela bino parce bakestion etuna miaki ebele batuni role ya EAC nini mpa tozomona eloko te bake kokuta na mokonzi ya 34e région militaire arepondre bango aexplike bango voilà EDC alo sans plus tarde toyoka réunion oyo esalamaki bon tokontinue na émission na biso avant même toleka na reprise de combat masolo bozomona mokonzi wana Marcel mbangu asololaki na société civile bongo to avancé après to ke na komba Honor Kivu pour parler de ce face-à-face hier jeudi à Goma entre les commandants de la 3e zone de défense et la société civile, les mouvements citoyens et d'autres acteurs sociopolitiques locaux. Au menu, la situation sécuritaire du moment, notamment le mandat de la force de l'EAC, le retrait du M23 dans les zones occupées, mais aussi l'efficacité des FARDC dans la guerre contre le M23. Occasion pour l'armée de balayer les zones d'ombre sur plusieurs questions en rapport avec les opérations militaires contre les M23. Les points dans ce reportage rendu par Mathieu Lunga Chamboui. Cette rencontre intervient après des remous et réactions observées depuis un temps dans la ville de Goma par rapport à l'évolution de la situation sur les lignes de front. La société civile et les mouvements citoyens ont soulevé plusieurs questions devant les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant général Mbangu Machita. C'est avant de lui exprimer clairement leur position par rapport à l'intervention de la force de l'EAC, notamment à Kibumba. Marion Gavo, président de la société civile de Goma. Il était très important que la population puisse savoir ce qui se passe dans la province en termes de combat, en termes du retour qui a été annoncé par la force de EAC, pour savoir qu'est-ce qui bloque pour que les M23 puissent quitter la zone, qu'est-ce qui est fait pour que la ville de Goma ne tombe pas sous les mains des ennemis. La population voulait savoir aussi pourquoi notre armée ne joue pas à l'offensive et n'attend qu'être attaquée pour jouer à la... Pour sa part, le porte-parole de l'armée, le lieutenant-colonel Ndike Kaiko, a parlé d'un échange d'informations qui vise à améliorer la collaboration entre la population et l'armée, mais aussi à dissiper tout malentendu au sujet des opérations militaires. L'autorité a tenu, n'est-ce pas, à lever certaines zones d'ombre. La société civile s'est dit satisfaite de cette rencontre, mais elle attend voir du concret. Goma, Mathieu. Bande Kotolandi,
Tolandi ne société civile ba sepeli peuple a sepeli. Banga ba ye ba vérité. Parce que biso peto opotana ao. Biso moko to obosana ke force ERC ya lobby ke batiki ba territoire occupé na ba force ERC. Mais a force ERC on zabana. Et de ça ça on a dit. Zomona. Donc il n'y a rien auto benga makamba gauche droite. J'ai mon côté Zawana. Encore loin des clair. Ba quitter ma territoire en Agnonso. Ba kene na Savion. Et puis ba koza la surveiller na FARDC. Et puis ba kota ba Agnonso. Processus ya DDC. Au moins, ce qu'on va faire un problème encore à Luanda, na encore à Nairobi. Et ça en faveur na Bissou. Tout ce qui est information à l'information, c'est que les banques voilà. Bon, mon te biso mon koutou, baki bumba, baki kono aboko, wana bo biso mon tozawa. Oui, on peut poser la question pourquoi ba on va le baki faire des saza quelque part. Faire des saza. Ozomona. Donc, il n'y a rien autre quand il y a un problème. Parce que bazoli ngaka kaba apaisé yango malembe et que nango bien balimbe ba discussion à 1-23 on était parce que les deux parties ezala bango 1-23 armée rwandaise bazana accord à Luanda yango nde grand masulu au lieu de potana katobanga ka batu lelo bakusala oui lelo kusala non bandeko makambo ezana faveur na biso. Bata wa kide ba territoire na nyoso. Akora Luanda so tangi na ngote Google na ngote luko tanga akora na Luanda. Ba eso ba kide ba territoire nyoso sans condition. Siko ba komi bongo. Bo bango ba yiba pesi condition ke to pesi yango na EAC, to pesi yango na FARDC. Eso bo zombo neza na sens. EAC a linko repondre na ngote. Zona, bazo yibisa EAC ki to pesi yango na bino force monsieur yana kibumba te. Mais est-ce que accord à Luanda le bon? Donc nous avons l'accord à Luanda. Oyo ba konzi ba bango ba, mo ba te Union européenne na ba américain ba occidentaux ba ti bambongo. Po makambo ni sala mandeki wana. Donc bazala problème. To landi wana. Mon compte à 34e région militaire a soulevé la population. Bolandi, malgré ma cour dévoilée, tu m'as lu ma CPL. C'est-à-dire, ça me pose ça. Où est-ce que je suis? Parce que je suis bien inquiétude. Je suis en train de faire des sazali. Tu as la place de la place. Tu as la kibumba place de la place. Tu as la place de quartier général dans le centre-ville. Yantina et à salu baza quelque part. Fade se baza na kibumba. Mais pas dans les côtés bango bazali. Koune zaka délégation. Et puis so tambe bazo tambo la banzila. Fade se na ba ba arme kenyan. Bazo tambo la ensemble. Bande koto tika ou wana. Totika ou tuzo loba loba. Ouzomona. Makambo nyonso eza na maboko na biso. Bato ba kokite ba eza ba territoire na biso. Eza mutu monte a yot balkanizasyon ne bosala ma jamais. Ba kontinye ba okina makambo yo na ndenge a propre. Bazo a biso na merete. Toleka na komba. Reprise de komba se samedi 31 décembre entre FARDC et RDF. 1-23 à Kamatingi. Masisi, reprise de combat entre les FARDC et les 1-23. Les combats ont repris ce samedi 31 décembre entre les FARDC et les 23 à Kamatingi. Bandeko, et ça passe en plein parc de Virunga, territoire de Masisi. Des sources de la société locale indiquent que ces accrochages opposent les rebelles aux FARDC ainsi qu'aux milices locales. Selon les mêmes sources, les M23 auraient à nouveau tenté de déborder dans cette partie du parc de Virunga pour lancer des attaques contre
les positions des militaires et celles des milices. Ces rebelles M23 ont été repoussés par l'armée nationale de cette région. Radio Capi n'a pas pu joindre les porte-parole de l'armée pour voir des précisions par rapport à cette attaque. Par ailleurs, un calme apparent a signalé dans la zone de Bouiza, Kangi et Mundungu un groupement de Bouchoucha chefferie de Bouito auprès des violents combats de ce vendredi dernier. Donc, Kuna Kimbezali après Bitumbo Zakilobi, Fardesa avant Kakawada, à Kangi Karenga, Bakota Yosa Bouiza Kimbezali. Ces combats ont provoqué une panique dans la cité de Kichanga, 8 km de Bouiza. Néanmoins, ce samedi matin, la situation est redevenue normale. Les habitants qui ont fui la cité commencent à regagner leur domicile. Une délégation des autorités militaires s'est rendue à Kichanga ce matin pour s'enquérir de la situation dans la zone. Fardese Bakena Kichanga va aussi au bazar na Kimia. Porte-parole militaire a expliqué que Kimia Zala, Awa, Batoa Balouakina, et qu'on s'en est à 4h, 3h du matin, parce que ce matin, donc, mais partout, il y a un Fardes, il y a un Fardes, la puissance de feu, Bazongi. Alors, il y a un Fardes, il y a 34e région militaire. Il y a un Fardes, il y a un terrain. Et là, on sait que la présence n'a pas. Azawana, assolé la population ex-Rotolanda qui m'a solo qui tombe. Présent Wandena Batunaye, Maïle Sisiliba. Puissance est aussi là. Accord à Luanda Nde, Mouté Bokiba Momakou. Maïle Siliba. Alors, sans plus tarder, Toyo Kande Kombo et le Kaki, bon, tu as avancé les missions. En Nord Kivu, des combats sont signalés depuis ce samedi matin dans la région de Karenga, précisément à Kamatembe, village Kingi. C'est dans le parc de Virunga, vers le volcan Nyamulagira, en territoire de Masisi. Les sources de la société civile indiquent que les combats ont repris dans cette zone depuis 7 heures locales entre les M23 et les FRDC, mais aussi les milices locales. Les détails avec vous, Pele Kipelamondo. D'après des sources concordantes, les M23 auraient à nouveau débordé dans cette partie du parc de Virunga pour lancer des attaques contre les positions des FRDC et celles des Mai Mai. Les rebelles du M23 ont été repoussés par les FRDC la semaine passée dans cette région. Nous n'avons pas encore réussi à rejoindre les porte-parole de l'armée pour des précisions par rapport à cette attaque. Par ailleurs, un calme apparent est signalé dans la zone de Bouiza, Ngangi et Mudugudu en groupement Bichoucha, chefferie de Bouito, après des violents combats dans la matinée d'hier vendredi. Ces combats ont provoqué une panique dans la cité de Kichanga à 8 km de Bouiza. Néanmoins, ce samedi matin, la situation est redevenue normale et les habitants qui ont fui la cité hier commencent à regagner leur domicile, nous affirme la société civile. Une délégation des autorités militaires s'est rendue à Kichanga ce matin pour s'enquérir de la situation dans la zone. Bandeko, Tolani Bissonios. Ils ont tenté de tout à la 2h, 3h du matin, 1h du matin, ce samedi, de profiter de la boutique au Kota, de douceur, de faire des saltos à l'air, de repousser. De faire des saltos à l'air, de faire des saltos à l'air, de faire des saltos à l'air, de faire des peuple sont à Zotomoka. Pourquoi tu attaques à Bango? Tes peuples ont raison. Bisto continue à respecter ma Kamboya, la communauté internationale, mais Bango va respecter Kati. Bota la position haute aux armes. Nde comment on peut savoir commenter à Bia? Faire des assauts offensifs pour Azan et Nelokoti. Totika Koulouba Bong. Armo Boyeva qui en est sur l'élouti. Fardez ça la puissance de feu pour le moment. Mais toujours tout ça. Pour tout quoi y'a un bébati. Ma kamone ko souka batoa va ou quitter na bango. Bisson de tout jouer, roule ou à la malam. Parce que baso pesa me bisson conseil. Bosa tiens accord à Luanda na maboko. Tozo lenga nini.
Ezala bomba attaque. Ezala bomba attaque. Et tali bisoti. Bisto battre la intégrité territoriale. Ba konji ba sa le fort ba bon sa armé oyu kwa makasi. Parce que ba Rwanda ba zana ba arma makasi. Ba banda na ngokala. Bisto ba no somba ngo sikulu. Organisation a payé une option et bandeli, bandeko, bato, bakambaki moko pendant plus de 20 ans, batamse moko nandega kitukuti. Parce que nous devons d'avoir avoir une armée forte avant même l'arrivée de Fadji. Mais tale baso bongsa. Parce que l'armée était affaiblie par tous ces accords, il y a un 23. Un 23, c'est ma corps, moko tozobe nga diabol, ma corps à ma bé, y'a ko bébé sa moko na biso. Ba Congolais va continuer ko kufa ba sacrifice na ba mais ba ko na suka mukonza mboka lobi ye jamais sona allo lo ko ba konza mboka ba te na position le présent Rwanda mais le civile ba ne ko to comprendre que l'ère économique se basé kala ba matière na biso ba yebi tendenge makambo aussi la ba za mal à l'aise. Économie rwandaise vous allez partir à Nicolas Kouya. Ne bazana ba yibi que tu commis na souka. Tu tombola que tata ouyo pona. Ils ont un problème. Ba ke ko simba, place ou ba simba kati. Voilà problème au bazana ou. Ouyo tout ba luki luki. Si ko y zongé li ba ou. Bande ko, tala. Bisoa. Tozana nyonso. EDC tozana nyonso oyo ko développer mokili. Problème zo déranger biso mingi nde makambo oyo ya ba groupe armé. Et puis même ces occidentaux le savent que nous avons tout. Alors, bandeko. Akora Rwanda bato bazo respecter na bango. Mais les Congolais ne sont pas en tout cas, ils attaquer les gens qui sont en train de se faire. Mais quand ils sont en train de se faire, les Occidentaux vont respecter les accords de Sicile. Mais les accords de Sicile, ils sont en train de se faire. Mais les peuples ne sont pas en train de se faire. Parce que trop, c'est trop. Bandeko, citation yo, armée rwandaise va aventurer les Okomanasuka. Ils ont des problèmes sérieux. L'on a la CPI, Ndenge, commandant 34e région militaire, a koutana ki na population ko so la na bango. Patoye ba citation, nini vreme zo leka, kuna ke se passe. To bango wa unga ba du sola kota parka virunga. Ba yaka na goma. Parce kote ba bango ba se va du defect. Mais quand Luanda, tout ça va se faire du défaite, mais pas que ça les l'a monté. Mais pression, c'est qu'à combattre le colère présent rwandais. Donc, Azan a un problème à résoudre. À l'oukande, il va tout quitter. Le territoire en Nyonso, il y a un rapport sans condition. Il y a un nouveau rapport au Nye Bimi Ponabang. Il y a un Nyonso, il y a un Rwanda, il y a un ba komi na problème sérieux bandeko machu to kolonga ya ane sili doko ta nasika to kuyuka makama kito kuya bandeko nanga bo continuer ko partager l'émission bo continuer ko s'abonner massivement. Bonne année 2023, au revoir, à la prochaine.